Axel t'a jamais aimé. Hi. Donc, on a pris notre équino, on l'a lavé 1000 fois, on l'a rincé, on l'a étalé sur le fil, on l'a retiré, on l'a grillé sur huile, on l'a préparé dans la marmite, on l'a fait tout. Notre vidéo qu'on a dit, Makoso a exposé sa fille. Allez regarder la vidéo là. C'est. Donc, moi, ça m'a fait trop mal. Il y a certaines vérités qui ont été dites dans cette vidéo-là. Ça m'a fait trop mal, je vous dis. On a dit quoi? Si seulement le papa Makoso devrait nous écouter, oh, pour que le monde laisse notre queen tranquille, on serait trop heureux. Pourquoi? J'ai dit là-bas que Annabelle, maman Audrey, la jeune dame là, Raina, et qui encore? Et la reine de Saba et d'autres sortent pour insulter notre Kim. Pourquoi? À cause de Makoso. Aujourd'hui, on a dit quoi? Kim Axel ne t'aime pas. Quand maman Audrey était assise le même soir là, oui, c'est l'autre vidéo. C'est pas le live de maman Audrey. Donc, anyway, on va passer à la vidéo. Vous allez découvrir, vous allez suivre la suite de l'autre vidéo de Raina qui était restée. Vous allez écouter. Mais la dame là a dit quelques vérités à Makoso qu'on devrait même que vous transportez le message à Makoso. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Hein? Partagez, non? Nos salutations à vous qui êtes devant nous en train de nous suivre. Spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco le nouveau nom dans le bloc. On n'oublie pas de saluer les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Voilà. On suit la vidéo. C'est très important, oh, d'écouter les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo pour ne pas nous insulter là. Hein? Pour ne pas insulter mon mauvais français. Alors, c'est très important d'écouter les analyses et le stress, oh, pour ne pas dire que le stress n'aime pas Kim. Suivons tous la vidéo. Retrouvons-nous qu'à la fin de la vidéo pour les analyses et le stress. Séparé. Moi, par exemple, mon enfant est sur les réseaux sociaux. Mais on ne me verra même pas avec mon enfant. On ne me verra même pas avec mon enfant. Je dirais même à mon enfant que non, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas ta mère. Je me refuserai en fait de coller mon image avec mon enfant. Moi, je fais guéret. Elle sait qui je suis. Je fais guéret. Mais je vais dire à mon enfant de s'en voler comme elle le souhaiterait. Mais pardon, faudrait pas que ton image soit avec la mienne. Quand c'est comme ça, même quand vous partez voir la belle famille, même s'ils ont, ils font allusion à ça du fait que vous avez des femmes, des parents fous, vous avez une tante folle. Mais au moins tu peux trouver une solution en disant que, écoutez, l'éducation de ma fille ne correspond pas à ce que je fais sur Internet. Voilà ma fille, elle est plus calme sur les réseaux sociaux et je ne veux pas mélanger mon image avec la sienne pour pouvoir la protéger. Mais quand tu es toujours là avec ton enfant, on drague ton enfant devant toi. Tu acceptes. On fait comédie romantique avec ton enfant. Tu acceptes. Quelqu'un qui fait affaire où on se trémousse le bocho. Tu vas, tu ramènes aussi ton enfant là-bas. Tu peux pas dire à ton enfant que non, pardonnez. Celui-là ne le fait pas monter. Traîner avec les personnes comme les Fatoula, être traîner avec les personnes comme les Pan à 27 ans. Fallait laisser tes enfants traîner avec ces gens-là. À un moment donné, il faut arrêter. Pense au futur de tes enfants. Je dis, oh, Man a 19 ans, je te jure et je te dis aujourd'hui, pardon, faut te ch chercher un Whitey. Cherche-toi un Whitey, oh. Ah, ça, si ce sont les nous autres là. Ils vont pas t'accepter. Ils vont pas t'accepter. Même pas à 27, on ne pouvait même pas t'accepter. Même quand tu étais amoureux, quand tu étais amoureuse de lui là, il pouvait même pas t'accepter. Pas à 27 ans. Pas à 27 ans, même si on le voit comme ça. Mais je pense que c'est le genre d'homme qui ne veut pas rentrer dans une famille abracadabrante. Donc, il y a quoi pour ton goumen goumen?
Mais même lui, il ne pouvait pas te faire rentrer dans sa famille. Voilà. C'est ça en fait qu'il pense. Il ne pouvait pas te mettre dans sa famille. Même s'il pouvait avoir les sentiments pour toi, en tant qu'Africain, quand on est une femme, on doit avoir une famille en fait qui est respectueuse. Il y a des gens qui sont là qui font dans nos bérets, mais ce n'est pas dans les trucs sales. Passe ta garde à Macaroni, s'il était intelligent, il n'allait pas coller son image avec son enfant. Cette petite-là n'est pas bête. Elle est très intelligente. Même si elle vole les concepts des gens. On sait déjà affaire de maquillage, là. Il y a eu vol de concepts. Il y a son émission là où elle fait chanter les gens. Elle a volé le concept auprès d'un jeune Camerounais. On sait. Mais c'est une personne qui est intelligente. Elle sait s'exprimer. Elle te donne envie d'acheter ses produits. C'est pas comme l'autre trending, celle qui a l'habitude de faire les trends camerounaises là, qui a dit carrément que non, et je vais attendre à 21h, je vais faire le Djadjari Dja Challenge. Son Djadjari Dja Challenge était Mbrakata. Celle-là, elle a sorti un truc de maquillage, maman, elle ne sait même pas parler. Sa voix, on dirait oh là là, elle ne sait pas vendre. Non, elle a volé ta maman. Hein? Elle voit les concepts, mais elle est très intelligente. C'est une personne qui réfléchit, cette petite. Mais son papa est en train de bousiller son image. Et sa tante aussi a bousillé son image. À cause de quoi? À cause de cette famille-là. Le papa et la tante aiment trop le buzz. La tante au moins elle s'est rangée. Mais lui, le papa, il aime trop le buzz. Qui doit coller son enfant? Il doit coller son enfant à gauche. Il doit coller son enfant à droite. Il doit... Tout ça pour les abonnés. Tout ça pour les followers. Oui, l'Afrique a ses règles, c'est ça. Mais pourquoi je dis la fille doit épouser en Haïti? Si c'est seulement les nous autres Africains là, c'est déjà gâté. Elle aura un profiteur. Soit un profiteur, soit une personne. Tu vois par exemple Abla Coco, Alice au pays des merveilles. Hein? Alice au pays des merveilles, c'est les gens comme ça qu'elle a ramassé. Des profiteurs. Elle n'aura que des profiteurs. Si c'est seulement en Afrique, c'est seulement des profiteurs qui voudront d'elle. Mais jamais des gens bien. Jamais des gens bien. Pourquoi? À cause de son père. Laisse-t'a faire ces trucs de maquillage, papa. Laisse-t'a faire ces trucs. Si tu veux lui donner un code de 1 million d'abonnés, donne-lui. Mais laisse-la dans son coin, elle fait sa chose, elle n'est pas bête. C'est vrai que les gens ne parleront pas trop d'elle. Mais il doit la laisser. Une fille qui a créé elle a fait des exploits, il faut se le reconnaître. Même la dernière fois, même j'ai vu avec sa petite blouse là, elle est passée sous les poteaux. J'ai dit, ah, cette fille-là, c'est vendre. Hein? On dirait quelqu'un qui a fait des études de commerce. Et tu sais, cette fille-là, c'est vendre. Après, c'est vrai qu'à l'école, elle n'arrive pas trop. Parce qu'elle-même, elle disait que non, à l'école, c'était très difficile. Mais elle a mis son bureau, elle était là. Mais moi-même, elle m'a donné envie même d'acheter ses produits. Bon, c'est vrai qu'elle a vendu à l'Africaine, hein, sérieusement. Parce que, bon, dire non, vous sortez, vous allez faire ceci, c'est trop chic, machin, truc et tout. Elle n'a pas ce côté professionnel. Professionnelle, elle a ce truc à l'Africaine et elle sait vendre. S'il vous plaît, le compte de la reine de Saba. Comment ça?
c'est normal que vous ne retrouvez pas son compte. Mais... Il parle de son passé, qu'il a galéré, qu'il a eu du mal à manger. Je comprends ses actes. Mais par rapport à son enfant, il doit arrêter. Je le comprends. Mais il doit faire attention. Parce que des personnes... Voilà, c'est ça, c'est sale. Je comprends en fait. Il a eu ce manque d'argent pendant sa jeunesse qui l'a traumatisé, qui a laissé les cicatrices. Donc, tu sais, quand tu as trop galéré ou pour avoir même 25 francs, ça a été difficile dans ta vie, tu as une peur bleue de redevenir pauvre. La pauvreté devient ta phobie. Et il en souffre, ce monsieur. Il en souffre. Ce sont les gens qui ne comprennent pas. Sur ce point-là, ne jugez pas. Il en souffre. Ce monsieur a eu un lourd traumatisme au sujet de l'argent. Il t'a dit ça. On t'a dit qu'on est obligé de me dire quelque chose pour que je dise ça. Avoir de l'argent, c'était compliqué. Ma fille a dormi dans cet endroit, nanana, et que tu vois la personne vouloir à tout prix, qui se fixe les objectifs d'argent, argent, argent, argent. De toi à moi, psychologiquement, tu ne peux pas analyser que la personne pourra avoir un problème. C'est comme ça que les gens meurent et puis vous ne savez pas détecter. Oui, oui, oui. Vous, votre fanatisme là, c'est ça qui va perdre les gens sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, vous voulez à tout prix. C'est ça votre problème. Et c'est vous, les fans là, les fans qui approuvaient tout et n'importe quoi, qui poussaient les gens à faire des bêtises. On a par exemple le cas du pasteur Mac Kalamba et puis Peniel, qui commence en fait à vouloir se rip. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Hein? On est en train de dire arrêtez d'incriminer la fille, arrêtez d'incriminer la fille, essayez d'analyser la situation, laissez lui le bénéfice du doute. Il y a les fans de Mike Kalamba qui viennent, oh non, c'est elle qui veut salir le pasteur. Écoute, c'est ça votre problème à vous, parce que vous ne voyez pas les choses de façon psychologique. Si votre star a porté même un t-shirt qui est troué, vous n'allez jamais dire. J'ai le sujet de ton papa et ta maman en train de mourir. Eh? Donc, on est en train de fourrer même le bois dans le couetou. Imbécile, tu n'as pas d'autre sujet. Tu n'as pas d'autre sujet, tu n'as pas d'autre live à suivre. Ton bas bien. Et c'est toutes ces séries de légèreté. Oh! Je n'aime pas insulter les gens, hein. Mais si vous trouvez qu'un live ne vous plaît pas, le sujet ne vous plaît pas, le fait qu'on parle soi-disant de votre personne, même dont on n'a pas énuméré le nom, ne vous plaît pas. Pardon, sautez, calons-les. Allez-y sur un live, un autre live, où on parle du bien, où on dit des mensonges, hein, pour encourager vos stars et vous allez aimer. De vous à moi, c'est normal que le père puisse coller son image à la fille. Oh, arrêtez vos conneries à la noix là. Tu n'as pas d'oxygène, tu n'as pas d'oxygène. On dirait que tu me vois chaque jour dans les lives. Moi, je suis rarement sous les lives. Hein. Tu vois que non, c'est parler pour parler. Eh? Regardez-moi cela même. Ta tête abracadabra, d'abord, on dirait le fumbo mal préparé. Oh, non, vos fingers, ont même les. Oh Seigneur, heureusement. Si tu peux répondre à qui? Les gens que leur âme, ils se baladent, ils ont donné leur cerveau à location vente. Ah, parce que c'est pas grave, il y a des dépôts en dépôt vente et se balader sans cerveau là. C'est lui que tu parles avec. Beaucoup sont là, au lieu de pleurer leur corps, que voilà les pasteurs à qui ils confient leur âme. Voilà les gens à qui tu confies ton âme. Voilà. Hmm?
Tu n'as pas d'autre. Et c'est toujours les gens qui n'ont pas de visage sur les profils qui ont bradé le bradata. Vraiment. Voilà les TBL. Pourquoi en ce moment, va là-bas. Il y a même une TBL qui vient au nom. Pourquoi tu parles de l'autre là? Alors que j'étais en train de faire des éloges. C'est qui, dis donc? Alpha, comment vas-tu, ma Alpha? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Alpha. Oui, je vais bien. Alors, j'aime bien tes lives, franchement, parce qu'en fait, tu touches directement du doigt les problèmes et les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment le déni. Ils voient la destruction sous leurs yeux, mais ils préfèrent jeter des fleurs à la star sans l'aider à se corriger. Et ça, c'est dommage en Afrique, tu vois. Voilà. De temps en temps, quand ce que tu dis là, pour moi, c'est une façon de tirer sur la sonnette d'alarme pour dire aux gens attention à ce que vous faites. Dans ces deux jours-là, son papa, au lieu de comprendre que c'est lui qui doit être la référence morale pour ses enfants, c'est lui-même qui va twerker sur un live populiste. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à vendre tout le monde pour l'argent, c'est ce qu'il a fait ici avec sa fille. Un jeune impoli là, qui respecte personne, qui pense que, comme les gens commencent à envahir son live à 100 000, 200 000 là, il sait pas qu'en fait, que les Ivoiriens envahissent son live là, c'est comme ça qu'ils vont le descendre aussitôt ou tard, ça va sortir contre lui. Quand il va commettre un seul dérapage dans ses lives contre un homme politique ou même contre une personnalité, ils vont recueillir tout ça contre lui devant un tribunal un jour. Voilà, vous retrouverez tous sur notre chaîne Enios 13. Vous retrouverez nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, le nouveau nom dans le bloc. Bon retour aux guetteurs et à vous les nouveaux venus. On vous accueille chaleureusement et on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, on parle de cette vidéo qui vient de passer à présent. La première vidéo qu'on avait mis, là on a dit Makoso expose sa fille. On avait l'impression, c'est comme si la dame était en train d'insulter Kim. Mais pendant que la deuxième vidéo ici, on vient d'écouter, on écoute que c'est un message qu'elle envoie à Makoso d'arrêter d'exposer sa fille sous la toile. Parce que à travers sa bouche, Kim n'ouvre pas sa bouche à insulter les gens. Je n'ai jamais même vu un post là où Kim a posté à insulter quelqu'un. Je n'ai jamais monté dans les lives de Kim là où Kim a insulté quelqu'un. C'est une seule fois que moi je reproche Kim dans ma vie que Kim a mal fait, c'est la vidéo là où elle était sortie pour Lolo Bot. Ça, je répète ça même en sommeil, je peux vous dire. Mais à part ça, vous savez combien de gens qui ont été dans le même jour ici, combien de lives étaient là à insulter Kim pendant qu'elle n'a rien fait. Oh. Moi, je n'ai pas vu là où elle était sur les lives, là où elle a insulté quelqu'un. Pourquoi? Les abonnés de Kim sont partis commenter. Quand les abonnés de Kim ont fait le post quelque part pour dire quelque chose. Mais vous avez des caméras. Insultez les gens là. Faisez même les lives. Prenez leur nom. Mettez leur nom sur vos panels. Décrivez le personne. Parce que c'est pas Kim qui vous a insulté. C'est pas elle qui vous a insulté. Peut-être, on peut dire qu'entre parenthèses, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, mais si c'était Makoso là, on veut dire que ah, peut-être c'est son papa. Hein. Comme le game, comme s'il y avait dit, le game c'est quand vous m'insultez, j'insulte tes enfants, ta famille, tes amis, les gens que tu connais, tes camarades, tout, je les insulte. Là, on peut dire peut-être. Mais les personnes qui insultent, qui part insulter Maman Audrey et les autres gens, ce ne sont pas la famille de Kim. Alors, it's not fair. It's not fair at all. Voyez. Donc, moi, je pense et je comprends que la dame ici essaye d'envoyer un message à Makoso. D'arrêter de clasher les gens. Sinon, là, il salisse ses enfants. Dans l'autre vidéo, elle a même dit que qui va vouloir marier les enfants de Makoso? Personne. Pourquoi? De quelle famille t'es sorti? C'est même, tu fais, moi, je répète ça ici. J'ai dit que tout ce qu'on fait sur les réseaux là, ça reste. Ça reste haut. On va chercher à demander, oh, mais un tel là, son papa c'est qui? Sa maman c'est qui? Oh, ils sont à vie.
Il est sorti de quel pays, oh? À part pays, il est sorti de quel village, ou elle est sortie de quel village, oh? Elle est de quelle tribu, oh? Il est de quelle tribu? C'est ça les questions que les gens vont commencer à se poser. Et ça va salir la lignée, tout. Ça vous salit vous, ça salit vos enfants, votre pays, votre ethnie, votre village, votre tout, tout, tout. Donc ça vous attire, ça vous amène jusqu'à. C'est pour cela qu'on dit, faisons attention de ce qu'on poste dans des réseaux sociaux. Faisons attention de ce qu'on dit dans des réseaux sociaux. Faisons attention aux commentaires. C'est pour cela qu'on vous dit toujours de très bien commenter gentiment ici, car ça reste. Vous pouvez effacer, mais la personne qui a partagé la vidéo, vous ne le connaissez pas. C'est ça, on dit d'être très gentil envers les uns les autres. La dame aussi, ici, pouvait aussi envoyer un message à Makoso très gentiment aussi. Mais il y avait aussi, je n'ai pas dit qu'elle a totalement raison. Et là, elle a eu aussi des fautes là où elle a mal parlé. Mais c'est un message qu'elle a envoyé à Makoso. Mais elle a aussi mal parlé, quelque part. Elle pouvait aussi dire tout droit. On ne peut pas aussi la dicter comment faire son live, comment mettre sa caméra. Sinon, là, on nous insulte, on dit que c'est ma caméra. C'est tout autre là. Le langage, c'est j'allume ma caméra avec ma connexion. C'est mon téléphone avec mon connexion. Tu vas dire quoi? Rien. Tu vas rien dire. Mais ça ne coûte rien d'être gentil envers les uns les autres. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour ça ici, on est très gentil. Positivité amène à la positivité. Négativité amène à la négativité. C'est tout. C'est tout, ce n'est que comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Merci aux guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. C'est vous là. On invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Donc de faire ce que nos abonnés font. Merci à ceux qui aiment nos vidéos. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui commentent très gentiment. Que Dieu vous bénisse. Peu importe là où vous êtes. Même si vous êtes guetteur là, oui, que Dieu vous bénisse. Nous, nous sommes gentils. Vous êtes méchants, mais nous, on est gentils. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on vous fait vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.